Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, donc, je suis Isabelle Hercelin. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée pour euh, témoigner de, de mon expérience, euh, tout en sachant que, voilà, mon expérience est unique. C'est un chemin euh, personnel, comme pour chacun et qu'il est important, euh, comme pour chaque expérience, qu'elle soit écoutée, et que ça résonne pour vous ou pas, mais ce n'est pas euh, un chemin à suivre ou à appliquer euh, euh, tel que je l'ai vécu, euh, parce qu'on est tous différents, uniques et que le message que j'aurais envie de transmettre est beaucoup plus celui d'être le plus possible à l'écoute de soi, euh, même si ça ne nous plaît pas toujours. D'où le titre un peu de, de cette conférence euh, que j'ai nommée, De la volonté personnelle à la volonté universelle. C'est qu'on est souvent dans le dans vouloir quelque chose et que si on n'arrive pas à l'obtenir, on va se retrouver dans bah dans des émotions de frustration, de contrariété, de déception, de de jugement ou de, de jugement et ce je ne, je ne pense pas que cela aide en tout cas au pranisme. <laughs> ok. C'est bon là Ok. Euh, je vais parler euh, brièvement euh, de mon parcours. Euh, et je vais vous laisser poser vos questions. Ce sera plus intéressant. Donc, euh, pour moi, euh, la, le, le pranisme n'a pas, pas été et n'est pas un mot qui résonne pour moi. Comment ça a commencé Je dirais, dans mon souvenir, dès ma naissance, où... Euh, L'alimentation qui m'était proposée, une alimentation classique, ne me convenait pas, ou presque pas. Je n'aimais pas les laitages, pas les viandes, pas le poisson, quasi pas de fruits, euh, pas les soupes, pas les moulinets. <laughs> Et il ne restait pas grand-chose. <laughs> Et pourtant, jusqu'à l'âge de 15 ans environ, j'ai été obligée de manger ce qu'il y avait dans mon assiette avec de la viande ou du poisson tous les jours. Alors quand j'ai quitté la maison à 17 ans, j'ai décidé d'aller rencontrer une nourriture plaisir. Je ne voyais aucun intérêt à me nourrir de choses que, qui ne me plaisaient pas. Qui... Et donc, je, je suis allée en quête de nourriture qui allait me plaire. Me plaire, euh, c'est quelque chose que j'allais trouver agréable dans la bouche et qui allait plaire à mon corps. Plaire à mon corps, c'est-à-dire... qui me laisse dans le confort. Pas de ballonnement, pas de gaz, pas de mal au ventre, euh, pas d'envie de dormir après manger. Euh, une, une alimentation qui allait me garder comme, je dirais, l'esprit léger et le corps léger. j'ai rencontré euh, un, comment dire, un magasin euh, biologique euh, à, à 17-18 ans, et j'ai commencé à euh, écouter, et à, goût à écouter la personne qui tenait ce magasin, et commencer à me nourrir végét ce qu'on appelle végétarien. Mais en fait, je crois, d'origine, <laughs> de naissance je devais largement l'être donc j'ai découvert euh, donc les aliments complets les différentes farines donc les différentes céréales des légumes que je connaissais pas forcément non plus et surtout les graines germées et les algues J'ai euh, commencé à me nourrir tel que l'on dit qu'il faudrait se nourrir en végétarien de manière équilibrée avec la protéine, les légumes, enfin les, 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 les protéines, euh, les légumes et puis euh, les céréales. Enfin, voilà, un hein, tout. Et euh, j'ai constaté que ça ne me convenait pas à mon corps. Il digérait mal. C'était trop lourd pour moi. J'ai lâché euh, les protéines. Et petit à petit aussi, euh, pratiquement toutes les céréales, sauf le riz et le quinoa. J'ai gardé les légumes, mais je les préférais crus ou très peu cuits. Et surtout, mon alimentation était les graines germées, la salade, la salade verte, et, euh, et les algues. Et en me nourrissant comme ça, mon corps euh, et tout mon être euh, étaient bien. Trois repas par jour, beaucoup trop. Pour mon corps donc dès euh, dès que je dès mes 17 ans je suis passé à deux repas par jour un vers euh, 10 heures un autre euh, entre 15 et, et 18 heures et en écoutant juste les besoins de mon corps, parfois, je n'avais pas faim. Et quand je n'avais pas faim, ben, je ne mangeais pas. Je voyais pas l'intérêt euh, de manger non plus. Et c'est comme ça que d'une année sur l'autre, il m'est arrivé de rester sans manger une journée. L'année suivante, deux journées à suivre peut-être l'année suivante, trois jours à suivre, une ou deux fois dans l'année. Je n'ai pas pris de notes, <laughs> car je ne savais pas qu'il était possible de rester sans manger longtemps, ou même rester sans manger. Je n'ai jamais lu, euh, ni écouté, ni entendu quelque chose euh, de, à ce propos. Et je ne connaissais même pas euh, le jeûne. Et une année, enfin, petit à petit, je me suis aperçue que c'était de plus en plus long, mes temps sans manger. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Et petit à petit, donc, au, au, tout au long des années, à partir de, de mes 18-20 ans, euh, donc jusqu'en en 2009, euh, ça a pu être jusqu'à euh, 3 semaines, 4 à 5 fois dans l'année. Donc, jusqu'en septembre 2009, où là... Euh, comme les autres fois, ça ne prévient pas. La, pas envie de manger un repas, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Et je suis restée là, environ trois ans et demi, je dirais, avec euh, en tout et pour tout euh, quelques euh, noix ou amandes dans mon ventre. Et je me suis posé la question, quand euh, en 2009, je suis restée plus longtemps sans manger, en tout cas des aliments, <laughs> euh, de, de quoi je pouvais me nourrir. Mais l'évidence était là. L'évidence était là que je me nourrissais de tout, de la vie, puisque je suis la vie sans aucune séparation. Et comme pour moi, tout est vibration, des vibrations qui prennent Forme, eh bien, je me nourris de toute vibration qui existe. Alors, voilà en, en résumé euh, mon parcours, sachant que je n'ai donc euh, eu aucune information sur le jeûne ou le pranisme. Euh, je suis un cancran. Je n'ai jamais médité. Je n'ai pas fait de yoga. Euh, je n'ai pas fait de formation particulière non plus ni de respiration particulière. Et j'adore le thé à la crème de lait. <rire> Désolée. <laughs> Peut-être que je suis là pour que l'expression de la vie à travers moi et là, pour passer un message que tout est possible sans condition. On peut faire des expériences, on peut expérimenter. Euh, mais euh, comment dire <laughs> Euh, tout est la vie et l'important est cet accueil inconditionnel envers soi-même. Et que quand on est dans, dans une démarche, parce qu'on est appelé par... Euh, une modification de notre nourriture, une envie de, euh, de manger différemment ou peut-être d'arrêter de manger un certain temps. Euh, pour moi, dans mon expérience, il est important d'être bienveillant avec soi-même et, et de pas se trouver dans une euh, volonté de faire FER. <laughs> euh, J'ai envie de laisser place aux questions maintenant. Je voulais te demander si, euh, quand tu avais 17-18 ans, euh, tu pensais, tu croyais de souffrir d'anorexie de Non, pas du tout. Euh... J'ai toujours aimé manger, adoré manger, <laughs> mais manger uniquement euh, ce qui, euh, je disais euh, au début, me fait plaisir et qui, qui correspond à ce, ce qui convient, on va dire, à, à mon corps. L'anorexie vient d'une souffrance, on souffre par rapport à l'anorexie. Moi, ce n'était pas le cas du tout. Bonjour, Comme anciennement, j'avais déjà vu toutes ces vidéos, tu étais plus négre. Comment ça va être aujourd'hui? bien, je veux dire, t'as pris le poids. Ça, ah, Oui, parce qu'il y a eu euh, un changement dans ma vie important <laughs> depuis Alors. quelques mois où euh, j'ai fait la rencontre de mon compagnon. Ben voilà. Voilà. <laughs> Et qui, euh, euh, comment dire, euh, m'a fait. Euh, basculer, on va dire, dans une, une autre euh, manière de vivre. Euh, pas toujours facile, <laughs> parce que je suis une grande solitaire euh, depuis euh, toute jeune. <laughs> ouais. et, et donc, euh, d'être euh, accompagnée m'a ramené à euh, comment dire, sans obligation, <laughs> à, à me nourrir un, un peu plus que je ne le faisais. Ce qui vient aussi, euh, comment dire, me, me ramener euh, un peu de poids, sont les émotions. Parce que, en ayant vécu autant d'années seule, euh, j'ai été en, en osmose, en symbiose avec le tout et dans l'unité, principalement euh, avec donc le silence et la nature. Et j'ai rencontré sur mon chemin un spécimen <laughs> humain quelque peu à l'opposé. <laughs> Et, et donc, il euh, y a comme une évidence comme par rapport à l'alimentation, euh, comme une évidence euh, de pouvoir danser l'unité <laughs> dans la matière euh, avec un, un compagnon. Et, mais c'est pour moi beaucoup moins évident qu'avec la nature <laughs> et, et il est vrai que euh, ben, les, par rapport aux, aux émotions euh, pour euh, parfois euh, euh, ramener un équilibre hein, au déséquilibre que l'émotion apporte et hein, eh bien de grignoter un petit peu plus euh, vient ce que j'exprime hein, et je le vis pleinement <laughs> euh, vient comme ramener un petit peu l'équilibre en attendant de, de revoir clairement en, en prenant de la distance donc voilà <laughs> je pense que c'est et voilà et l'importance que j'ai je dis depuis euh, 2009 que j'ai commencé à faire des conférences Euh, qu'il est important de ne pas se trouver dans l'attachement et de ne pas s'identifier à ce que l'on est en train de, de, de vivre ou d'expérimenter et que en, en étant euh, 2009 je j'ai pas compté ma rencontre... Euh, on que c'est fait vraiment en euh, fin 2018 donc 2019, 2018 presque un cycle <laughs> 9 ans 9 ans euh, en ne mangeant euh, quasi euh, que des feuilles de salade et des amandes grillées et en buvant du thé ne veut pas dire que c'est définitif et l'important de justement de ne pas s'identifier à, à ça et de considérer je suis ci ou je suis ça. et ça a été une très belle expérience pour moi euh, de m'abandonner à cette volonté universelle plus que de vouloir rester dans en, le pranisme, parce que je suis connue en partie comme ça, par exemple, euh, mais beaucoup plus de... La vie est en mouvement, en permanence. Donc nous sommes changeants en permanence. Et je ne pourrai jamais dire et savoir ce que demain sera pour moi. Une autre question Bonsoir. Du coup, Bonsoir. si tu as repris la nourriture, est-ce que tu éprouves la faim Non. non. Je, je reconnais que je, je. À aucun moment, je ne mange par faim. Je mange par plaisir ou pour compenser euh, un mal-être qui est une émotion. Je me laisse traverser l'état de mal-être ou d'émotion qui se présente. Il peut durer. <laughs> L'important, c'est de me sentir pleinement vivante de ce qu'il se passe en moi. Au-delà de vouloir quelque chose, ce qui se présente à moi, c'est la vie. Ce n'est pas vouloir quelque chose. Ce qui se présente à moi, puisque c'est la vie, c'est parfait. C'est ce que j'ai à vivre dans l'instant. À, à, à comment dire C'est plus qu'expérimenter. C'est à être. Et je, je me laisse traverser par l'état du moment. Je ne sais pas si ça répond euh, correctement à, à ta question euh, ou peut-être pas tout. Si. Non. Hmm. Oui. Oui. En fait, je suis uniquement gourmande. Je ne mange que par gourmandise ou par compensation. <laughs> je pense que quand on, quand on vit un certain temps euh, sans manger, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui se passe ou qui était déjà présent hein, dès le départ. Pour moi, je pense que dès ma naissance, euh, mon organisme était capable de rester sans manger longtemps. Ça, je le ressens bien. Du coup, une autre question. Euh, Est-ce que, enfin, apparemment, puisque j'ai je, je regardé un peu ton, ton, ton site, tes vidéos, euh, le fait d'arrêter de manger t'a amené à développer des capacités de guérisseuse, d'aide, d'accompagnement à la santé c'était déjà, déjà là avant. avant. Oui. C'est pas ça. Forcer, euh, non. Non. Pour moi, euh, de... un t... peu importe, un mois, un an, dix ans, euh, de mon point de vue, sans se nourrir d'aliments, euh, ce n'est pas, pas ce qui va faire qu'on espère derrière ou, euh, ou des choses plus extraordinaires. Euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas arrêter de manger euh, qui, qui va, comment dire, que, que arrêter de manger qui peut amener des choses extraordinaires ou dé déployer des choses extraordinaires en soi. C'est les conditions dont je parlais tout à l'heure. Sans conditions, nous sommes des êtres extraordinaires, mais avec notre tête, notre mental, on va avoir une conception de l'extraordinaire. Et à partir de là, on va vouloir. Essayer de tendre vers. Mais l'extraordinaire est déjà rien que dans le fait que nous respirions sans avoir à chercher à respirer. Et que, euh, à un moment donné de notre vie, une expression se fait de nous comme j'ai eu une partie de vie euh, euh, d'expression dans les bureaux à travailler, et après une autre expression euh, euh, à travers mes, mes mains de, de, de guérison, euh, et demain, je ne sais pas, <laughs> euh, mais ce n'est pas euh, avec une condition. Pour moi, la vie qui nous habite, euh, je vais dire, nous aime inconditionnellement. On peut avoir envie de quelque chose ou d'une autre, d'être pranique, d'être plus ci, d'être plus ça, on le sera ou pas. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait besoin en tout cas euh, de, 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 soit de, de souffrir ou de se mettre dans, dans une restriction ou difficulté importante pour obtenir euh, quelque chose. Il peut y avoir une discipline. Si cette discipline vous convient, vous plaît, vous anime, vous fait plaisir, vous enchante, vous donne envie, de vous levez Ok. <laughs> Moi, je n'arrive pas, pas à la discipline. <laughs> et, et du fait de ne pas être dans la discipline est un témoignage qu'il n'y a pas de condition c'est avant tout s'aimer sans condition. Et s'aimer sans condition, c'est s'accepter tel que l'on est, avec tout ce qu'on n'aime pas aussi, sans condition. Sinon, pour moi, on ne fait que... Répéter et rester fidèle à notre éducation d'être aimé sous condition. Une autre question um Every time I try to fast, um, after a day or two, I feel like lack of energy in my body that I can't even move. So it's my biggest problem. So do you have any solution for me? How to get energy while fasting? Chaque time I fast, after a few days, I start to lose a lot of energy. Et donc, euh, je te demande si tu as des conseils pour, euh, pour ça. Mm -hmm. Alors, j'ai euh, une petite histoire pour répondre à ta question. <laughs> une, euh, on va dire un, une image. Puisque nous sommes extraordinaires, nous sommes comme le château de Versailles. Bon, un grand château en Italie, je ne sais pas. <laughs> Beaucoup de grands châteaux en Italie. Voilà. Nous sommes comme un immense château. Quand on mange, dans ce château que nous sommes, nous utilisons la cuisine pour faire à manger, principalement. Euh, la chambre pour dormir, la salle de bain et les toilettes. Et tous les jours ainsi, parce qu'on va travailler souvent et on n'a pas le temps de faire autre chose. Quand on arrête de manger, quelques jours, plus besoin d'aller faire les courses, plus besoin de préparer à manger, plus besoin de mettre le couvert et de faire la vaisselle plus besoin de digérer, on gagne du temps. Et on va moins utiliser les toilettes et moins le lit. Et nous allons donc avoir plus de temps. Et ce temps va servir à visiter toutes les pièces de notre château que nous n'avons pas le temps de visiter habituellement. C'est ça, c'est la traduction de, des quelques jours, enfin des plusieurs jours sans manger et du manque d'énergie. J'explique. On a l'habitude de rester juste là, dans les quelques pièces de tout à l'heure. Et tout d'un coup, quand on arrête de manger, on va commencer à visiter tout le rez-de-chaussée, monter au premier étage, le château est grand, deuxième étage, troisième étage, et puis en long, en large. <laughs> Quand on a l'habitude de rester dans trois pièces, c'est fatigant. Le micro ne marche plus. Voilà, on monte. Du coup, c'est fatigant quand on n'a pas l'habitude euh, de faire de l'exercice, de monter tous les étages et d'ouvrir toutes ces pièces qui nous habitent. Et comme on a, la première fois principalement, comme on n'a jamais visité ces pièces, elles sont fermées, les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés, on n'y voit rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, quand on arrête de manger, notre petit bonhomme intérieur va ouvrir toutes les portes, ouvrir les fenêtres pour aérer, ouvrir les volets pour mettre de la lumière. C'est ce qui s'appelle, quand on reste, qu commence à rester plusieurs jours sans manger, comme un éclaircissement de la conscience, de l'esprit. C'est une image. Mais toutes les fenêtres que l'on ouvre sans manger, c'est aérer le cerveau et l'esprit. Et puisqu'on ouvre les fenêtres et les volets, on découvre aussi ce qu'il y a dans les pièces. Il faut faire le ménage. Parce qu'on n'a jamais visité le château. On n'a fait que remplir pendant des années, trois fois par jour au moins. Donc là, relevez les manches <laughs> et on va frotter, déménager, parce qu'il y a des pièces très encombrées, des pièces avec des fantômes, des émotions qui font peur des meubles anciens qui viennent qui datent de nos arrière 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 grands-parents qui s'appellent fidélité familiale <laughs> ou héritage familial comme vous voulez donc cette perte d'énergie en image c'est le corps qui va faire, qui a la possibilité de faire le ménage dans, dans tout notre être, dans tout notre être, donc dans le corps, et tous les corps subtils. Émotionnels, mentaux, Spirituel aussi, parce qu'il va y avoir l'interrogation par rapport à la vie, notre relation à la vie. Parce que sans manger pendant quelques jours, on peut-être commence à avoir poète poète est-ce qu'on va être encore vivant Est-ce qu'on va encore tenir debout Donc, de perdre de l'énergie les, les premiers jours, au moins, voire longtemps suivant les personnes, c'est tout à fait normal. Et c'est important justement de ne pas en avoir peur quand on se rappelle de la petite histoire. Pour, pour ma part, je, 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 euh, je n'ai pas peur de m'engager à dire que une semaine minimum sans manger n'est absolument pas dangereux. On ne peut même pas être en carence. C'est impossible. On parle de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est justement le petit bonhomme qui nettoie tellement fort hein. 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours qu'il est étourdi. C'est normal. C'est uniquement ça. Un exemple. Je fais du vélo. Là, avec mon compagnon, j'arrive de Bordeaux à vélo. Tout le matin, je bois mon thé avec ma crème de lait. C'est tout. Et je monte sur mon vélo avec mes grosses sacoches, <laughs> parce que j'ai tout le pactage euh, et ma maison. Et euh, je peux avoir mon compagnon comme témoin <laughs> que j'arrive. À pédaler correctement. Même l'école que j'aimais pas, parce que quand je l'ai rencontré, il faisait du vélo aussi. Et euh, lui, il montait principalement tout l'école de la montagne. <laughs> et moi, je lui ai dit, ça, je le ferai jamais. <laughs> et puis, ben en Italie, c'est pas tout à fait ça. <laughs> et. Et, et donc, c'est pour vous dire que l'énergie, elle n'est pas, euh, pas que dans la nourriture. C'est pour moi une évidence. Et je commence à avoir en, envie de grignoter des noisettes ou des amandes grillées. Et merci, parce que les noisettes grillées en Italie. Euh, trois ou quatre heures après euh, avoir pédalé. Je brauche jemanden, der dann auf Englisch übersetzt. Euh, wenn ich den Prozess starte, ist es in Ordnung, meine Medikamente weiterzunehmen? <laughs> C'est bien de prendre des médicaments quand tu commences un processus. Dans Dans le, prendre... Je veux dire, quand tu fais un processus, est-ce que c'est -ce est bien de continuer à prendre des médicaments Si, si la personne, la personne euh, en a besoin et que ça la rassure, je réponds oui. C'est OK C'est ça, c'est le plus important, d'être bienveillant avec soi. Donc, tant que les médicaments... Euh, rassure il est important de ne porter aucun jugement sur soi hmm. et quand vous le sentez si vous voulez diminuer ou voir votre médecin qui va qui peut valider que quelque chose va mieux Faites-le. J'ai euh, eu un cancer de l'utérus et j'ai gardé la possibilité euh, de ce que la médecine m'a proposé de me faire opérer de tout enlever, voire faire de la chimio ou de la radiothérapie après. Mais j'ai eu à l'intérieur de moi euh, envie d'expérimenter de, autre chose, sans ignorer la possibilité de l'opération. J'ai demandé euh, aux spécialistes et ils m'ont donné six mois. J'ai expérimenté pendant six mois bon, l'urinothérapie pour moi. Et euh, j'ai guéri. Mais il était important de ne pas écarter euh, l'opération au cas où. Donc, important de s'écouter soi. Comme je dis souvent, personne n'ira à notre place sous terre quand ce sera l'heure. une autre question? Oui, euh, tu dis que pour toi, tout est vibration. du coup, ça, ça ressemble à quoi? Enfin, ça se manifeste comment? par l'évidence. je n'ai pas euh, je peux euh, je peux ressentir euh, euh, des sensations euh, un petit peu comme euh, de la chair de poule. Pour dire ça, des, des frissons. Euh, euh, parfois euh, mon corps léger ou, ou lourd. Mais c'est peut-être trop facile, mais j'ai l'impression d'être née avec l'évidence. Donc c'est Là, évident à expliquer euh, je me suis rendu compte et je continue à découvrir euh, régulièrement euh, des, des, des fonctionnements euh, des que les humains ont ou beaucoup de croyances que les, les humains ont et que je n'ai pas, et que je n'ai jamais eu. Le fait de, de penser que sans manger, on peut être en carence ou, ou, en, ou en mourir. Qu'il faut s'alimenter avec ça, ça, ça et ça pour avoir une bonne santé, ou une bonne prise de sang. J'y ai jamais cru. C'est en ce sens que je dis que je suis certainement née euh, comme ça. <laughs> Donc, je n'ai pas euh, une quête particulière de, de, de sentir. Ça, ça vient à moi comme ça, c'est vrai. Je le disais souvent euh, bon, euh, à mon compagnon aussi, je dis ben je sais pas, c'est évident, <laughs> mais je ne dis pas que c'est évident pour les autres hein, ou... non, je dis mais pour moi c'est d'une une évidence ce que j'appelle l'évidence, c'est comme si euh, c'est ça la vidance. L'évidence, la vidance, je suis je, je suis dans ce tout comme euh, dilué dans ce tout, il n'y a pas la séparation. Quand je parle évidence, c'est ça. Il n'y a plus moi et le reste. Il y, y a une, ouais, une non-séparation. Voilà. Une autre question? Existe-t-il des examens médicaux ou des tests qui confirment l'état pranique? Alors, personnellement je n'en connais pas euh, maintenant le fait de rester sans manger longtemps ou être pranique on peut toujours faire des prises de sang moi j'en avais euh, fait une il y a quelques années et, euh, et on a pu observer que tout était à l'identique rien n'avait changé j'ai jamais eu de fer de ma vie et je crois que jamais en tout cas aussi loin que on a fait ma première prise de sang, je n'avais pas de fer et, et j'en ai jamais eu depuis non plus. Alors on peut dire que c'est une anomalie ou ce qu'on veut, mais à chaque fois que j'ai fait une prise de sang, donc tout est normal sauf le fer. Et, euh, et à chaque fois, j'alarme le laboratoire hein, et le médecin, mais il y a rien à y faire. Je vais très bien. Il n'y a rien à faire, comme je dis, il y a juste à être. Donc, je n'ai pas de faire. <laughs> Donc, pour répondre à, à, à ta question, je ne connais pas, moi, en, en tout cas, de, euh, de méthode pour euh, tester ça, mais il existe, je, je pense, des médecins, moi, en tout cas, j'en connais un. Euh, à Rennes en France, donc euh, qui m'a suivi pendant plusieurs années et qui en a, qui a rencontré d'autres euh, personnes euh, euh, qui expérimentent euh, cette manière de, de se nourrir et, et lui il a euh, comment dire euh, un matériel et une technique alors c'est un, un médecin euh, vraiment à, à la base hein euh, 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 et donc, je ne connais pas le nom de, de sa méthode, mais il peut effectivement euh, déterminer, puisque c'est un chercheur en même temps, donc euh, euh, déterminer effectivement, euh, on va dire, si on l'est ou non, euh, il ne va pas, euh, comment dire, euh, euh, déposer un diagnostic en ce sens, mais en, en rencontrant. À travers le monde, un certain nombre de personnes, ils constatent euh, la différence qu'il y a entre les gens qui ont la capacité à se nourrir euh, de pranisme facilement et durablement euh, des autres, et donc ils il, il, euh, il constatent un, un certain nombre de ce qu'on appelle euh, les chakras, que j'appellerais des, 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 des centres énergétiques, euh, beaucoup plus nombreux, euh, entre autres. Euh, et au niveau de l'aura aussi, il euh, y a... Moi, je ne sais plus quoi, parce que ça me passe tellement par-dessus, moi. Euh, quelque chose qui est carrément retourné. Carrément retourné, je pense, entre le feu et le métal, un truc comme ça. Moi, j'y connais rien. Voilà. Mais voilà, il a, donc il... il a, en, en, en parcourant le, le, le monde et, et, et en analysant toutes ces personnes, bah, il fait des regroupements, des constats, parce que lui, son objectif, en fait, quand il a commencé ses recherches, son objectif était de pouvoir euh, euh, amener vers la guérison des, des gens euh, gravement malades, parce que c'est est évident pour lui que... Que quand on reste un certain temps sans manger, il y a un mécanisme d'auto-guérison de, de, qui, qui, qui se met en place. C'est quasi évident, oui. Donc, il, euh, avec sa méthode, il hein, s'est dit que s'il si peut activer euh, les différents centres énergétiques hein, qui sont activés chez les praniques, hein, euh, ça permettrait à ces personnes de de rester sans manger un certain temps suffisant pour guérir. Voilà. Mais il existe peut-être des techniques que d'autres personnes qui pourront vous les dire, moi en tout cas moi j'en ai pas à ma connaissance. Bonsoir Isabelle. Euh, je Bonsoir. voudrais te demander si tu as observé des changements dans tes règles et dans tous les périodes, dans, dans tout le temps que tu as, t as euh, es passé à la nourriture euh, pranique, donc que tu n'as pas mangé, si dans ce temps tu as observé des changements importants dans, dans tes règles Dans, dans mes règles euh, en, en tant que femme ou dans ma vie oui, d'accord. Euh, donc les, les règles qui viennent tous les mois. C'est ça que, que, oui, que je comprenne bien la, la question. Bah, pour moi, il n'y a eu aucun changement. Aucun changement. Euh, ou alors je dirais que c'était encore plus confortable. Euh, mais je n'ai pas eu euh, d'arrêt ou euh, comment dire euh, ou de, de difficultés particulières. Euh, alors, où j'en suis aujourd'hui, je suis largement dans ma ménopause. <laughs> et, et, et tout s'est passé euh, simplement, facilement, sans, sans bouffer de chaleur, sans aucun symptôme, je dirais, peut-être de, de la ménopause. Hmm. Merci. <laughs> On peut rire. C'est psychologique, mais ça marche psychologiquement. Où Qui a le micro Oui. Comment voir les, les vidéos que tu as faites euh, En allant sur Internet écrire Isabelle Herselin et là je pense que ça c'est sur YouTube euh, ou en allant sur mon site en tapant Isabelle Herselin euh, il y aura mon site aussi et il y a quelques vidéos aussi. Voilà, toutes elles sont toutes accessibles. Et sur l'urinothérapie, parce que ça peut être intéressant. <laughs> Bonjour. Euh, moi j'aurais voulu savoir euh, ton cancer, donc en fait il est arrivé quand tu étais déjà pranique. Non, non. Avant. avant. Ok, et euh, comment est-ce que parce que tu jeûnais déjà régulièrement oui. Comment est-ce que tu, tu expliques ça Enfin le fait J'ai que... trouvé, trouvé ça extraordinaire, extraordinaire comme de, comme de boire, boire du thé avec, thé avec crème de, de lait. De lait. <laughs> Parce que c'est vrai que souvent on parle du thé et par rapport à l'éveil, le thé ça va pas forcément ensemble. Alors la crème de lait de vache, pas du tout. Non, je pense que je parle à. Eh bien, c'est comme pour euh, montrer qu'il n'y a pas de conditions et que le plus important c'est de s'écouter. Et si que ça fait plaisir de boire de la crème de lait, eh bien c'est que le corps il est ok pour ça. Point final. Et pour l'histoire justement de, de, du cancer, merci pour la question, j'ai été effectivement très en colère au début. <laughs> je me suis dit, comment ça Ça m'arrive à moi Moi qui fais attention à ce que je mange, moi qui fais attention à ce que je dis, moi qui fais attention à ce que je pense, moi qui suis dans la pensée positive, et patagni, gna J'avais quelques personnes que je pouvais voir autour de moi en disant, pourquoi ce n'est pas les autres J'avoue. <laughs> et. Ça m'a fait découvrir euh, la peur, la peur de mourir, très importante, de me laisser la traverser trois jours et trois nuits de, mani de manière très violente. Je me suis laissée traverser de ma peur de mourir. Et après... Après ça, j'ai commencé à voir clair. Je n'en ai parlé, c'est mon histoire. Hein. Je n'en ai parlé à personne. C'était une affaire entre moi et moi. Et après avoir traversé ma plus grande peur de mourir, est venue à moi l'urinothérapie. Alors là, c'était bien la dernière des choses à laquelle j'avais l'intention d'expérimenter, je vous le dis. Et ça, c'est fait. Mais ce qui était très important, justement, c'est de me laisser vivre ce sentiment d'injustice, de colère, de peur, et de me dire c'est pas normal, j'ai fait du travail sur moi euh, depuis des années euh, avec la, les prises de conscience, etc. Euh, et là, comme ma petite voix à l'intérieur de moi <laughs> m'a dit justement qu'il n'y a pas de condition et que c'est très important et beaucoup plus important d'accueillir ce qui est plutôt que d'être tout le temps dans justement s'identifier. Et donc, quand on, on commence, je vais expliquer ça s'identifier ou euh, s'accrocher à des croyances. Si je mange bien, si je fais bien mon yoga bon, je suis désolée), hein. si je fais bien ma méditation, si je fais bien si, si je fais bien ça, si je fais ça là, là, je vais être épargné de tout Ben non, pas forcément. Désolée euh, si je casse la baraque de certains. <laughs> non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver un, un mieux-être. Hein. C'est évident. Hein. Je ne suis pas en, en train de dénigrer quoi que ce soit de tout ça. C'est juste pour dire que eh bien, même à la personne qui peut être la plus excellente euh, du monde dans, dans le tout bien-faire, elle n'est pas épargnée. Parce que pour moi, justement, je reviens à cette volonté et cette volonté universelle que la vie nous montre très bien à travers la mort. Parce qu'on est vivant un certain temps dans cette forme-là. On s'entend bien. Mais c'est le jeu de la forme. Comme je dis, un début, un milieu, une fin. Dans la forme. Donc, en me laissant traverser tous les états de, de, de peur, j'en suis arrivée à l'urinothérapie que j'ai, euh, comment dire, euh, appliquée. Et j'ai découvert, je vous laisserai regarder la vidéo, <laughs> si on serait trop long, mais en tout cas, euh, je me suis découverte et j'ai découvert, voilà, quelque chose que je que je produis moi-même, qui est totalement gratuit et que j'ai trouvé extraordinaire, extraordinaire. Et je pense que c'est euh, que le 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 sans manger pendant un certain temps a été comme le prolongement grâce à ce qui s'est passé avant. Et que je ne savais pas du tout en 2007 que j'allais témoigner un jour euh, de même la manière dont je pouvais me nourrir. J'étais vraiment loin de tout ça. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Et aussi, justement, pour euh, euh, ne pas... Je ne suis pas là pour euh, ni brosser dans le sens du poil les gens. Ni pour les amener dans des illusions. Mais d'être dans la simplicité et l'amour de, de soi, mais c'est au-delà de soi, c'est de ce que l'on est. Et donc, ce, ce qui m'est arrivé est un super témoignage pour dire eh bien même si vous faites du mieux que vous pouvez ça peut arriver. J'ai eu un certain nombre de personnes qui sont venues me voir en consultation et j'ai été très touchée avec énormément de culpabilité. Soit parce qu'ils sont dans la spiritualité entre, entre guillemets depuis longtemps et ils arrivent avec une maladie et ils se culpabilisent d'être malades, alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et qu'ils pensaient que ça allait les épargner. Et pire encore, ils ont fait tout un chemin, ils ont guéri et ça récidive. Et là, ils arrivent encore dix fois plus culpabilisés. Qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'ai pas compris, que j'aurais dû comprendre, qu'il aurait fallu que je fasse, que j'ai mal fait, que j'ai... Hmm c'est vrai, on rigole, mais c'est... Je me dis, la vie. La vie est ce qu'elle est. Et pour moi, la meilleure guérison, c'est vraiment cet amour inconditionnel. Pas dans les autres. En ce qui habite en nous. Et quand il nous arrive quelque chose, comme pour moi euh, le cancer du moi bon, je me suis aussi pété les genoux. Euh, et eh bien, c'est ne pas se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, que j'ai mal compris, que j'ai etc. Non, il se passe ça. Et quand on est dans cet accueil, je sais que c'est pas évident. Hein quand on est dans cet accueil, on n'est pas dans la résistance, parce que c'est la résistance qui crée beaucoup plus de dégâts, la non-acceptation. Donc accepter. D'être en colère, de trouver ça injuste, de trouver ça euh, lamentable avec tout ce qu'on fait nous et que ça devrait être plutôt le voisin. <laughs> Accueillir tout, 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 c'est ça le chemin. Pour moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je, je vis et que j'ai traversé euh, un certain nombre euh, d'épreuves. Et par rapport à l'alimentation, je n'y ai pas mis non plus de résistance ou de, 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 de retenue à, à le fait de ne pas manger ou manger. Je sais que j'ai la, la capacité, je ne sais pas ce qui se passe là dans le monde et qu'il n'y a plus rien du tout à manger pendant trois ans ou pendant dix ans, aucun problème pour moi. Il n'y aura pas la peur, il n'y aura pas l'inquiétude et tout. Et puis, euh, je peux mourir demain, ça prend pas un problème non plus. <laughs> voilà. Je me sens euh, libre et, et indépendante par rapport à l'alimentation. Donc, ce n'est pas une question de « qu'est-ce que tu manges ?»« J'ai combien de grammes ?»« Et puis, depuis combien de temps ?» Ou si ou ça. Non, je me sens totalement libre. Et je pense que c'est mon chemin <laughs> de d'être dans, dans, dans cette euh, liberté. Et pour moi, la liberté, c'est l'accueil de ce qui est. Et surtout, de ne pas se culpabiliser sans vouloir, hein, de ne pas être hein, ce qu'on voudrait être. Mais d'apprendre à aimer ce qui est là maintenant. Même si je reconnais, ce n'est pas toujours facile. <laughs> Donc voilà pour répondre à, à votre question. C'est ce témoignage vraiment de, de dire, eh bien si ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, et ce n'est pas un, un fléau, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut. C'est la vie. C'est pas non plus euh, euh, comment dire baisser les bras, c'est la vie. Non. Je me laisse pleinement vivante de l'épreuve qu'il m'est donnée. Et c'est ça qui est le chemin et qui engendrera la suite. En tout cas, c'est comme ça que je vis. Y a-t-il une autre question Je ne sais pas. Euh, le maître du temps, euh, qui est le il <laughs> Quasi 8 Allez. Euh, bon, là, pour euh, pour votre partage. <rire> <rire> Je vous avez dit. Euh des choses que je me disais comment ça allait ensemble. Oui. Vous avez parlé d'avoir de, des émotions, des fois fortes, qui peuvent durer quelques temps. Mm -hmm. et, et après, un peu plus tard, vous avez parlé du fait que vous sentez en vibration un avec tout. Et du coup, ça m'a interpellée parce que bon, je me disais à moi-même que, euh, que quand je me sentirais un avec tout, bah, je serais comme des maîtres zen qu'il n'y a aucune émotion qui les affecte, tout glisse. Oui, Mais du coup, je me dis, ben, bah, voilà, c'est ma question. Et oui. Pour moi, je vais le dire en anglais rapide. Tu veux que je traduise en anglais ah. Ça va ça la reposer, reposer un petit euh. peu. Elle. Je vais le dire en français. Ah. C'est bon. La... Ok. La... Pour moi, la, la réponse c'est que la vie c'est tout. Tout est la vie. Donc les émotions sont une forme de la vie. Donc les émotions font aussi partie de la vie. Il n'y a pas à les mettre de côté. Mais je peux me laisser traverser par elle. Euh, J'ai souvent euh, entendu ce, ce, ce que tu exprimes, d'où je disais tout à l'heure euh, cette notion de, de quête et de croyance avec les conditions. Si je fais bien ci, si, si je fais ça, si, ça, si je, je fais les choses comme ça. Je vais atteindre quelque chose. J'ai mal compris, alors excuse-moi. C'est pas. Bon, non, je me, je me dis pas que je vais être ma femme, mais je m'imaginais oui. que c'est que les maîtres-hommes les qui, sont, qui sont, ou les maîtres sont en ligne avec tout, du que dans cet état, les émotions ne le, le, les traversent mm -hmm. pas et ça glisse comme. vous avez dit que vous, pouvez, vous avez les deux. Donc, oui, ah ben, peut-être que les grands maîtres, ça leur fait ça, je ne sais pas. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas un grand maître. Mais euh, je, de, du fait de me laisser traverser par les émotions, de ce fait, euh, comment dire, si je ne résiste pas à l'émotion, si je ne la rejette pas, si je ne la refuse pas, je suis dans l'unité. La, la pluie fait, fait partie euh, de comment dire euh, du temps sur cette terre, le, le soleil aussi, le vent, les nuages, euh, la nuit, le jour et c'est comme si il euh, y avait c'est subtil mais euh, on a des concepts dans notre tête euh, qui manière inconsciente vont nous faire croire, ou en écoutant des gens, on va interpréter que euh, y... si, par exemple, il n'y avait plus les nuages, ou quand on est un grand maître, il n'y a plus de nuages. Je ne sais pas. Mais si je laisse euh, le nuage passer et que je suis vivante de ce nuage, je, je suis en paix. Je suis dans l'unité. Et pour moi, comme tout est la vie, on va dire euh, la vie, euh, enfin, si la vie, on considère qu'elle est infinie, et que la vie, euh, à travers ses différentes vibrations, va créer des formes, en, tout est, tout est la vie. On ne peut pas être autre chose que la vie elle-même. Donc l'émotion fait aussi partie de la vie. Elle fait partie du tout. Et pour moi, c'est beaucoup plus le fait de la vouloir ou ne pas la vouloir qui crée la séparation. C'est plus ça. Peut-être qu'à terme, et certainement. Hein, je ne le, le, je, je parle que par expérience, donc je ne peux pas valider quoi que ce soit autrement, euh, qui est toujours de toute façon lié à moi, euh, que euh, en se laissant euh, traverser euh, euh, les, les différentes tempêtes émotionnelles, euh, le, le, le maître euh, n'a plus effectivement euh, rien de, de tout ça. Mais euh, en tout cas, pour moi, je ne vois pas... Je ne peux pas dire que je ne suis. Enfin, je, je veux dire. Pour moi, je suis dans l'unité si je suis pleinement vivante de, de mes émotions. Pour moi, ne pas être dans l'unité, c'est refuser quelque chose de la vie. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oui. <laughs> Merci. Une dernière avant le 4-croûte. <laughs> Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez dit que c'était un peu plus délicat d'être dans l'unité euh, en étant plus seul. Je voulais savoir si euh, vous pensez qu'il est possible d'être vraiment dans l'unité en étant en couple. Oui, en fait, en réalité, on est toujours dans l'unité, euh, même en, en couple. Mais pour moi, comment je l'exprimerais, j'ai je, je euh, plus de mal à, à retrouver euh, l'harmonie. Euh, mais je pense oui que que, que c'est tout à fait possible. <laughs> oh oui. <laughs> Pour moi c'est vrai que l'autre de toute façon l'autre que ce soit le, le compagnon, la compagne ou euh, tout le monde est un comme un, un, une représentation de soi de toute façon. Donc ça 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 ce que j'ai envie de dire c'est que l'autre euh, vient réveiller une partie de soi euh, qu'on aime qu'on n'aime pas euh, 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 et, et, et quand euh, tout ça commence à, à comment dire euh, s'adoucir je sais pas comment expliquer autrement il ben, y, y a la sensation de l'unité qui qui qui, qui 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 reprend euh, euh, comment dire euh, plus euh, une sensation, on va dire, plus forte qui fait que euh, on se rappelle plus de l'unité. On croit l'avoir oublié, mais on ne peut pas être autre chose que l'unité, de toute façon, hein, ceci dit. <laughs> Pour ma part, je pense. Mais en, en étant, euh, comment dire, euh, bah, c'est ça, dans, dans, en tant que euh, solitaire pendant autant d'années, euh, euh, ne serait-ce que une présence ou échanger euh, régulièrement euh, par rapport à mon silence que j'avais, ben rien que ça déjà, c'est est, comment est-ce que je retrouve un, un, un nouvel équilibre euh, dans, cette, euh, dans cette nouvelle danse. C'est ça C'est bon Bon, je pense que pour ce soir, c'est bon. Je, demain matin, j'anime un atelier de 9h à 9h45. Euh, c'est un atelier surprise. <laughs> Parce que je me laisse inspirer, en fait. Hein, je, je fonctionne c'est comme ça. Donc, euh, je me laisse inspirer euh, de ce qui, ce qui va s'y passer. Donc, euh, amateur, aventurier. <laughs> Eh bien, euh, je vous donne rendez-vous euh, demain matin à 9h. Alors, je sais pas les ateliers se font ici Ici. D'accord. Donc euh, pour ceux que ça intéresse euh, l'inconnu, le vide, <laughs> la surprise, eh bien euh, je vous attends euh, à 9h demain matin et je vous remercie euh, beaucoup de votre belle présence. <laughs> Merci